Bonsoir à tous. Merci de son beauté. Je peux m'aider à saluer le roi, la reine de ma part. Souvent, à l'opéra, à Bonsi, la basique à l'évaluation d'une beauté, à où n'est pas la reine. Dieu lui, bonsoir, roi, bonsoir, reine. J'ai l'impression que tu es jaloux. Il y a beaucoup de gens qui ont joué la tête. Ce soir, à propos, vous m'excuserez, ma voix est un peu cassée. Vous connaissez ça, mon beau, et c'est ma vie, mon goût à la main. J'ai eu un problème avec la climatisation, donc ça touche un peu ma planche. Mais je crois que Dieu va nous aider par sa grâce. Je suis convaincu au fond de mon cœur que quelque chose de spécial va se passer ce soir. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu. Je ne suis pas responsable de cela. Mais je sens dans mon cœur. Une impactation. Et donc, on peut aussi. Regarde comment ça dit, attache ta ceinture. Et puis ça, c'est pour Kangabana. Dis-lui, attache ta ceinture. Kangabana. Ouais. Nous sommes dans Genèse 12. Dans la Genèse, chapitre 12. Si tu peux me lire, parce que j'ai un problème avec la voix. Genèse 12, verset 1er au verset 3. Genèse chapitre 12, 1 à 3. Maintenant, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le second thème sur le progrès évident. La maman de Capra Modèle nous bénit au fond de Dieu. Je voudrais aborder un sous-thème. La découverte de la maman de Capra Modèle. Je rendrai ton nom grand. A propos de sa propre modèle. Dieu promet à Abraham. Ça va sur la Capra. Il va rendre son nom grand. A propos de sa propre modèle. En d'autres termes. Et le mot sous-sous. Des questions de l'élévation de Dieu. C'est-à-dire qu'au tombeau là, quoi, il ne pas ça. Dieu veut t'élever. Ça va être un tombeau là. Dieu veut élever un homme et une femme. A gagné le carasso, à quoi ce tombeau là. Dans ta famille, Dieu va te réveiller. N'a dit pas le carasso, ça va être un tombeau là. Dans tes études, Dieu va te réveiller. Ma qu'il a si ça va être un tombeau là. Dans tes projets, Dieu va te réveiller. Ma maman, mais si ça va être un tombeau là. Dans l'église, Dieu va te réveiller. Dans l'église, ça va être un tombeau là. Dans la ville, Dieu va te réveiller. Dans les combats, ça va être un tombeau là. Dans la nation, Dieu va te réveiller. Dans les coulons, Dieu va te réveiller. Je voudrais m'assurer que tout le monde aspire à la grandeur. Tout le monde aspire au succès. Consciemment ou inconsciemment. Ce n'est pas du tout un péché. Ce n'est pas non plus quelque chose de mal. C'est ce que Dieu a imprimé dans le cœur, dans la vie de tout un chacun. C'est la foule en compétition que tu dois avoir avec toi-même. Pas avoir avec les autres, mais avec toi-même. Devant Dieu. Et devant Dieu. Devenir grand. Devenir grand, c'est quoi? C'est quitter l'enfance. Atteindre la maturité. Devenir grand, c'est quoi? Sortir de la faiblesse. Et devenir fort. Devenir grand, c'est quoi? Quitter la petitesse. Devenir grand. Être élevé. Visible. Prendre la hauteur. Devenir grand. C'est sortir du néant. Et l'anonymat. Et la manifestation, et la révélation, la ébonisme, la création, Adam avec un Adam désir, la révélation, le fils de Dieu, il y a moi dans la personne que Dieu prépare.
Oh, la grandeur. Dis avec moi, je serai grand au nom de Jésus. Dis avec assurance, je serai grand au nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu. Mais avant de devenir grand, Dieu doit d'abord te cacher. Dieu doit t'enraciner. Tu dois t'enraciner en Dieu. Afin d'être capable de résister ou de supporter la grandeur que Dieu t'appelle. La grandeur, c'est une bonne chose. Mais il faut être préparé à ça. Ce qui est fatal. Amen. 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 Dieu veut que tu sois grand. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois grand? Parce que Dieu est grand. Il t'a créé à son image. Celui qui est grand, ce qui a sa modèle, veut aussi que toi tu sois grand. C'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Dieu l'a dit clairement. Abraham, je rendrai ton nom. Nous sommes dans le programme d'Abraham. Nous sommes dans le programme. Le programme de la grandeur. Ta mentalité doit changer. Ta pensée doit changer. Ta philosophie doit changer. Pour me voir comme tout le monde. Pour ne pas te voir comme tout le monde. Pour ne pas te voir comme Dieu veut te voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham était petit. Abraham a ça qui manquait. Il habitait en Mésopotamie. A ça qu'on voit dans beaucoup de pays de Mésopotamie. La Bible dit que son père, Terak, adorait des faux dieux. A ça qu'on coupe à la bande de Josué, il était Christ-là. Ils étaient idolâtres. Quand Dieu a confondu le langage des hommes, il est venu se révéler à Abraham. Et Dieu le dit directement. Parmi les promesses qu'il a faites, il a dit, je vais te lever. Amen. L'élévation, Dieu, c'est pas comme l'élévation, c'est les hommes. La grandeur, Dieu n'est pas la même grandeur selon les hommes. En quoi consiste la grandeur selon Dieu? C'est ce que nous voulons voir. C'est quoi être grand? Être grand, c'est être distingué. Être grand, c'est avoir du poids. Être grand, c'est avoir la considération. Avoir de l'importance. Être grand, c'est avoir un esprit supérieur. Être la tête. Dieu dit, je ferai de toi la tête. Le mot tête. En grec, c'est képhalé. Qui signifie chef. Je ferai de toi le chef. Je voyais un matin, partout Joseph est parti, il était la tête. Et si quand Joseph passait pour les casaki moto, parce que Dieu était avec lui. Dans la maison de Potiphar, il était la tête. Dans la prison, il était la tête. Et en Égypte, à part le pharaon, Joseph était la tête. Dieu dit, je ferai de toi la tête. Et dans la queue, tu seras en haut. Je vois quelqu'un venir te prendre. C'est là où tu es. C'est ta position. En arrière. T'amener en avant. Waouh, je vois Dieu. Venir te prendre. Il t'est levé. Tu vas prendre l'ascenseur de Dieu. Je te dis, tu vas prendre l'ascenseur de Dieu. Afin que tes progrès soient. Au foulou qui n'a eu, et mon ama. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Dieu. Oh, the Nagakolo. I got a sign in the brain. Oh, sorry, look at the right. Je sens fort. Dans Luc 1, le verset 15. Quand Dieu parlait de Jean-Baptiste, dans Jean-Baptiste,
Dieu va dire, cet enfant qui viendra sera grand. Moi, dans pourquoi tu as pas cause à mon devant Dieu. Bonsoir, la première grandeur, c'est la grandeur que Dieu reconnaît. Être grand devant Dieu. Quand Dieu te reconnaît. Toujours dans Luc 1. Le verset 31 à 32. On parle ici de la naissance de Jésus. Et la femme deviendra enceinte. L'enfant aura un fils. Il lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera sur le trône de ton père David. Dieu annonçait déjà la grandeur. Alors que le bébé venait à peine de naître. Donc le problème, ce n'est pas là où la position tu te retrouves maintenant. Mais c'est la prophétie de David demain. J'aimerais que tu écoutes très bien cette parole. Pour que tu ne restes plus là où tu es. Tu rentres dans la dimension de Dieu. Alléluia. Et devenir grand est un processus. Devenir grand. Se prépare. Devenez grand. Il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. Dieu fera sa part. Et ce soir, j'aimerais te parler des choses que toi tu dois faire. Pour que la grandeur vienne. Ce que Dieu le fera. Sans doute. Quelle est ta responsabilité? Premièrement, pour devenir grand. Tu dois être soumis à Dieu. Première condition. La soumission à Dieu. La grandeur est réservée aux hommes soumis. Les hommes soumis sont comme des serviteurs. Dieu n'élève pas les patrons. Dieu n'élève pas les patrons. Mais Dieu élève les serviteurs. Tout à l'heure, tu comprendras ça. Si tu veux la grandeur, développe le cœur du serviteur. Jésus est venu. Et pour servir. Et c'est la personne la plus élevée. Il n'y a aucun homme qui soit élevé comme Jésus. Assis à la droite de la majesté de Dieu. Parce qu'il était un serviteur. Parce qu'il était soumis. Soumis à son Père. Jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. La grandeur est réservée aux hommes soumis. Matthieu 20, verset 26. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Alléluia. Et nous voyons le cœur du serviteur. Un cœur soumis dans la vie d'Abraham. De soumission dans la vie d'Abraham. Tout ce que Dieu nous disait, il le faisait. Quitte ton pays. Il quitte. Va là où je te montrerai. Il ne sait pas où il va. Mais il va quand même. Frère, soumission à Dieu. Même quand tu ne comprends pas, sois soumis à Dieu. Même quand ce n'est pas clair. Sois soumis à Dieu. Mais quand je t'adore, je suis soumis à Dieu. À gauche, à droite, arrêt, arrêt, devant, devant. C'est ça le secret de la grandeur. Plus tu es soumis, plus Dieu te réveillera. Et dans cette soumission, il y a des choses que tu dois perdre. Avec Dieu, avant la multiplication, il y a d'abord la soustraction. Tu vas te multiplier. Mais avant de te multiplier, il doit retirer des choses en toi qui ne sont pas bonnes. Même Paul a dit des choses qui étaient pour moi des gains, je les ai créées comme une perte, comme de la boue. Tu dois perdre les choses. Tu dois perdre les privilèges. Tu dois perdre les avantages.
mariage. Tu dois perdre de faire des relations pour gagner Dieu. On ne monte pas avec tout le monde. Pour monter, il faut sélectionner les gens avec qui tu vas monter avec toi. Il y a des gens qui sont des frères. Les mauvais amis, frères. Les mauvaises relations, frères. Les mauvais milieux, frères. Sélectionne. Tu dois perdre des choses. Toi qui veux l'élévation, tu ne peux pas être avec tout le monde. L'élévation va te dire quelque chose. Aujourd'hui, hello? Il suffit de voir quelqu'un qui a commencé à avoir beaucoup, un peu d'argent. Plus il commence à avoir de l'argent, plus il augmente aussi le nombre de femmes. Mais c'est la bêtise. C'est la bêtise. C'est quand Dieu veut te lever, il va te tester un peu avec eux. Il va te tester avec eux. Il te donne un peu. Bon, admettons que tu es dans le domaine du travail. Il te fait un don ou autre. De ma fonction, 3 000 $ par exemple. 3 000 $. Et Dieu voit comment tu vas gérer. Ça va être au sein la toi. Tu gagnes 200 $. Yo, ça va 200 $. Et tu arrives à prendre 3 000 $. On m'a dit qu'on soit 3 000. Et tu dis, hey. Tu commences déjà à regarder Antoinette. On m'a dit qu'on t'a là. Antoinette. Sophie. Solange. Solange. Amboyni. Amboyni. Fais comme ça. Comme ça. Mais le plan de Dieu, maman, c'est de qui te donne 5 000 $. Mais quand il faut qu'avec 3 000, tu as perdu la tête. Tu es devenu ivre. Dans l'église, il y a des gens qui pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'église va tout à zoom, quand tu as un bon pour le soumouk. Donne-lui un peu seulement. Tu verras. Donne-lui un peu seulement. Tu verras comment elle va devenir un poli. C'est pourquoi on va tester votre soumission. Quelqu'un qui n'a rien qui est soumis. Je ne suis pas trop convaincu. Ça c'est moi. Je ne suis pas trop convaincu. Tu vas attendre. Et beaucoup. Il reste soumis. Il commence à avoir l'argent. Madame, on s'en va. Bon, toi, tu vas nettoyer la salle. Moi, l'humilité, la soumission, c'est se débrouiller de sa gloire. Elle sera me servir de même. Servir les gens, c'est de la grandeur. Abraham a eu le moment de crise. Abraham a sait que la table a passé. Au point même il s'est retrouvé à Guéra. Si Abraham a dit n'a pas Guéra. Et on lui demande qui est celle-là, qui nous est ma sœur. Batoumier, moi, sur sa mère, sa mère, à l'hôpital, laisse la taille. C'est vrai, c'était sa sœur aussi. Il y a son nom, Azaki, de Kounaïe. Mais dans le contexte, c'était sa femme. Parce que dans le nez, il y a un Azaka, moi, si la yeux. Tu vas comprendre tout à l'heure. On reçoit sur la calatère. Deuxième chose. L'autre, papi, mal. Important. Il y a mon tuyau. Pour aller dans la grande. Pour qu'il y ait la timonène. Il faut écouter Dieu. Oh, il y a un peu. Écoutez Dieu. Frère, soeur, et très important. Ça va t'amener la dépendance de Dieu. Que tes oreilles s'ouvrent pour écouter tous ceux qui sont devenus grands. Ce sont des gens qui ont écouté Dieu. Qui ont entendu la voix de Dieu. Et qui cherchent toujours à écouter la voix de Dieu. Des fois, quand on est petit, on cherche Dieu. Quand Dieu commence à nous élever, on écoute plus Dieu, on dépend plus de Dieu. C'est la raison pour laquelle la plupart des rois sont tombés lors de leur. Lorsqu'ils étaient à l'apogée de leur règne. Dans ma continuité, ma matin, ma communauté, même
Même Salomon, pourquoi? Attends, Salomon, pour la vie. Écoutez plus Dieu. Écoutez Dieu. C'est très important. Et ça, tout mais comment faire? Pour écouter Dieu. Être dans la présence de Dieu. Cherche l'intimité avec Dieu. Donc, peu importe ce que Dieu peut faire avec toi. Peu importe là où Dieu peut t'emmener. Reste dépendant de Dieu. C'était ça la clé de la réussite de Jésus. Le Fils ne fait rien sans le Père. Tout ce qu'il fait, il est bon de faire. Même lorsqu'on a dit que Lazare était mort, il ne s'est pas déplacé tant qu'il n'avait pas le goût du ciel. Est-ce que tu écoutes toujours Dieu? Écoutez Dieu, c'est la clé. Pour faire des progrès. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lorsque le Seigneur n'était pas bien, à ce moment il lui a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Demande à Dieu l'orientation. Demande à Dieu te donnera l'orientation. Ne fais pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tes amis. Tu es particulier. Le chemin de ta grandeur viendra de ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Tout disciple accompli. Pour savoir ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est là qu'il y a la grandeur. Ce n'est pas en faisant tout. Mais en faisant exactement ce que Dieu a dit. Est-ce que tu écoutes Dieu? Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi cette prière, Seigneur. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Pour que j'écoute. Dis avec moi, Seigneur. Ouvre mes oreilles. Dis Ephrata. Ouvre-toi. Au nom de Jésus. Dieu va donner à quelqu'un le discernement ici. Tu vas ouvrir ton oreille. Tu vas entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu parle. Dans toute une manière, dans toute une autre. Et souvent, on n'écoute pas. Il parle dans le songe. Les visions, la vision, la prédication, la prophétie, les événements. Les événements. Mais tu n'écoutes pas. Le secret de la grandeur. C'est qu'elle est à écoutez Dieu. Chaque étape. Écoute Dieu. Tu vas aller combattre. Regardez David, à chaque fois qu'il y avait une guerre, il demandait toujours, monterai-je, libérerai-je les ennemis entre mes mains. Quelle stratégie adopter? Quelle stratégie adopter? On n'utilise pas les mêmes stratégies. C'est un combat. Mais quand je vous ai dit, ne fais rien, acclame, adore seulement. Vas-y, attaque. Tous les problèmes, combat spirituel. Des fois, c'est l'adoration. Des fois, c'est les actions des grâces. Des fois, c'est une sémence. Des fois, c'est un combat spirituel. Est-ce que tu écoutes Dieu? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, je t'instruirai. Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu as trop de programmes. Tu ne laisses pas le programme de Dieu dans ta vie. Comment continuer là où tu es? Je me rappelle un jour quand tu m'as dit, tu n'iras pas loin dans tes études parce que tu dois me servir. J'ai regardé mon entourage. J'étais un élève très brillant.
vous. Pour moi, c'était impensable. Et j'avais l'impression que j'allais perdre tout pour la vie. Mais j'ai obéi. J'ai écouté. Mais aujourd'hui, tous mes collègues de classe, ceux qui ont de grands niveaux, il n'y en a aucun qui a le niveau où je suis. Je suis venu te dire. Si tu écoutes Dieu, je t'amènerai de la petitesse à la grandeur. Je te sortirai de là où tu es et t'amènera très loin. Écoutez Dieu, le secret. Et quand tu écoutes Dieu, il faut être courageux pour obéir. Beaucoup de gens vont écouter Dieu. Tu ne peux pas faire des progrès vivants. Si tu as peur, il faut oser. Et c'est le mec. Tu as parlé. Tu as écouté. Mais en pratique. Tu as dit ça va. Avance. Pour ça va. Et quand on te dit avance. Pierre. Il voit Jésus sur l'eau. À moi, sur la main. Et Jésus lui dit si c'est toi. Et on dit que je viens. Jésus lui dit viens. Il a écouté Dieu. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a obéi. Il a marché. Non sur l'eau, mais sur la parole qui a créé l'eau. Tu n'as pas bien compris. Pierre a marché. Non sur l'eau, mais sur la parole. Parce que la parole soutient toute chose. L'eau est devenue du béton. L'eau est devenue du béton. Pierre a marché. La foi, le courage, l'audace. De parmi tous les apôtres, Pierre a une expérience que personne d'autre n'a. J'ai marché sur l'eau. L'élévation va te démarquer. Mais si tu fais quelque chose qui devient une folie, tu verras le Dieu de la folie. La logique de l'homme est une folie. Et la logique de Dieu est une folie pour vous autres. Alléluia. Je vois que quelqu'un va commencer à oser. Sois courageux. La peur nous tétanise. La peur nous bloque, nous tétanise. Mais on nous a dit, le courage, ce n'est pas forcément l'absence de la peur. Mais c'est marcher même quand tu as peur. Ah, j'ai peur, mais j'avance quand même. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, avance en plein eau. Il y a le corps sur la table. Avance, j'ai peur, mais j'avance. Où ça va, Jésus? Tiens, pourquoi c'est comme ça? Tu dis avance. De toute façon, les gens qui n'avancent pas, on va trouver le même enfant. Parce que c'est un moment. Quand tu vas au tata le matin, tu rentres, il est au même endroit. Il a peur. Non, si je prends la voiture, il y aura l'accident. Si je prends la moto, le balamoto va tomber, on va mourir. Si je sors, quelqu'un va me jeter une pierre, je vais mourir. Celui qui a mis ma robe à la main, il va me la bouffer. Oui. Si je prends la voiture, l'avion va tomber. Ce n'est pas un avion pour pas de. Moi, j'aime beaucoup les avions. T'as un avion, oui. J'ai voulu aussi tous les risques qu'il y a dans les avions. Mais tu peux m'appeler, non, c'est dans l'avion. Est-ce que c'est moi, pour venir avec sa main, il faut pas l'avion. Oui, mais ça va pas, il y a que sa main, il faut dans l'avion. Il faut que tu attends dans les guichets, il y a un sacré sou. Alléluia, alléluia. Mais on y arrivera. Si j'étais peureux, je ne serais pas ici. Ah, mais je suis là parce que je suis courageux. La vie appartient au courageux. L'élévation, c'est courageux. Amen, amen. Il a besoin de courage. Tout, tout. Non. Donc, regarde bien. Tu me lui dis courage, mon frère, pour le passé. Allez,
L'humilité. Oye, ma commune qui dit ça. Dis avec moi l'humilité. Donc, ma commune qui dit ça. Une très grande vertu. Et c'est donc ma modèle. Une grande clé de la grandeur. Pour moi, la modèle n'est pas dans. Pour toi, ça a modèle. Matthieu 18, 1 à 4. Matthieu 18, 1 à 4. Jésus a dit, si vous voulez devenir grand, vous devez vous convertir et devenir comme un petit enfant. Et c'est l'élo qu'on va voir dans lequel. La capacité de se rabaisser. Ma confie à mon qui dit ça. C'est le contraire de l'orgueil. C'est-à-dire qu'on t'aime dans la route. L'humilité, c'est s'oublier. Comme qui dit, c'est-à-dire qu'on est au sale. Et valoriser les intérêts des autres. Écoutez-moi ici. J'ai lu ma Bible. Nathalie Bibliée. Genèse d'Apocalypse. Maintenant, Genèse d'Apocalypse. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je n'ai vu personne monter avec sa vision. Je répète. J'ai lu ma Bible. De Genèse d'Apocalypse. Genèse d'Apocalypse. Je n'ai pas vu quelqu'un monter avec sa vision. Si tu veux monter, oublie-toi. Travaille pour la vision de l'autre. Jésus s'est oublié. Il est venu travailler pour les intérêts des autres. Tu veux la souveraineté élevée. Tu veux l'élévation. Ne fais pas les choses pour toi. Cherche le bien des autres. C'est ça l'humilité. Nous voyons aujourd'hui dans le ministère. Les gens veulent être filles. On me voit. Moi c'est ci. Moi c'est là. Tu seras petit. Tu veux être grand. Oublie-toi. Travaille pour l'autre. Je suis venu travailler pour le pasteur. Même si ma voix a un problème. Mais il faut que l'œuvre de Dieu que Dieu lui a confiée monte. Donc pendant que tu dors, moi je dors pas. Toute la journée, je suis en prière. Toute la journée. De 10h30. Jusqu'à ce que tu me cherches. Pourquoi? Pour toi. Je suis venu te je vais te lever. Mais quand tu vas te lever, tu vas te souvenir de moi. Le jour où tu t'élèves, tu penseras au béquille qui t'a été élevé. C'est pour cela qu'on vient, on supplie et on élève Jésus. Quand tu élèves Jésus, Jésus est content. Mais qui m'élève? C'est pas celui qui m'élève. Oh, je dois aussi moi t'élever. L'élévation ne vient pas parce que tu m'élèves toi-même. Celui qui sera élevé, tu vas le rabaisser. Mais celui qui se rabaissera, Dieu te lèvera. Je sens que le monde est ici que tu vas élever. C'est pour quand tu es dans la présence de Dieu. Oublie-toi. Tout à l'heure, dans cette danse. Si Hérode, si le roi Hérode, la fille de mon Dieu s'est dansée, ça lui a pris la vie. Demande-moi tout ce que tu veux. C'est reste la moitié de mon royaume que tu peux te trouver. Et le roi de roi. L'humilité. Comment tu dis ça? David vient, il danse devant le roi. Il sait là où Dieu lui a pris. C'est pendant que les danses. Laissez-les danser. Ah, tu ne connais pas son histoire. Ah, tu ne connais pas mon histoire. Bien fait, ça fait danser. C'est vrai qu'il y a combien là-bas. T'as donné l'humilité. Comment tu dis ça? Recèle la gloire. Qui veut la gloire? Qui veut la gloire? L'humilité. 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 Recèle la gloire. L'orgueil. Le fou. Recèle la ruine. Et quoi il s'en va?
C'est pas des fois pour t'humilier, Dieu te brise. Il y a un problème qui dit ça, ça va outil. Ça s'appelle l'humiliation. Donc, qui dit la soule, il a fait. Trop fier. Fier de l'été. Ok, maladie. Maladie. Médecin, pas guérison. Nous avons un hospice. Ça va devenir ici. À saint prier pour toi. Parce que ça ne va pas en mettre. Sois bon que. Vous allez au fond de Dieu. Sois bon que. Vous allez au fond de Dieu. Ça va pour tu es l'aimé. Ça va tomber en mettre. Quand tu viens servir. Comment tu sens Serge dans l'humilité. Serge dans l'humilité. Ne cherche pas à être vu. Pour le matin, pas bon à l'eau. Cherche à honorer Dieu dans le secret. Nous t'avons mis ça en ce moment, tu peux honorer là en public. Tout ce que tu fais en secret, Dieu le fera en public. C'est pas de chercher à être vu. Dieu te fait la voix. Amen. Le ministère de la valeur, c'est la patience. Comment quitter ça? Et comment me l'opérer pour qu'à mon thème? La fidélité. Au cerveau. Pas de précipitation. Où elle est là, où elle est la terre? Elle vous dit, humiliez-vous sous la belle puissance de Dieu. Comment quitter ça? La salle de l'eau, quand vous voyez, ça va. Afin qu'il vous élève. Vous êtes à ton colonie, non? Au temps convenable. Quand vous essayez, quand tu es humble. Là, comment quitter ça? Et donc, tu vas dire, maintenant, le kairos. Ça va, c'est votre temps, mon kairos, c'est mon Dieu. Même si les gens se moquent de toi, c'est pas un problème. Ils viendront te chercher. Parce que tu es humble. Amen. 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 Quatrième point. Autant d'amener. C'est l'avant-dernier point de ce soir. Il y a autant de soukaya, il y a autant aussi de ça. Avant-dernier. Il y a autant de soukaya. L'intégrité. Pour ça, la sépo. Genèse 17. Genèse 17. 1. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. T'as et sois intègre. Ça là, c'est bon. Pourquoi? Parce que tout au long de sa marche, il a dû l'intégrité. Abraham a poussé le Dieu au non seulement il a menti, c'est-à-dire. Il est rentré dans une forme de corruption. Cela a déplu le cœur du Saint-Esprit. Parce que Dieu n'aime pas les injustes. C'est pourquoi l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est la droiture. Tu veux que Dieu t'élève? Sois droit. Ça là, il m'a demandé. Dieu est basé sur la droiture ou encore la justice. Ok, tu vas soit examen et fendi dans vos cerveaux topés. Non, c'est là, je t'en prie. La droiture. Ton droiture. La justice. Vos cerveaux. La vérité. Dans vos solos. L'honnêteté. Voyez, ma conseil, ma campagne, c'est que les amis dans le Seigneur. L'intégrité, c'est être honnête. Quand je regarde notre pays, beaucoup de gens prient. Ils ne sont pas intègres. Beaucoup de personnes servent Dieu. Il y en a même qui prêchent la parole. Mais vous les retrouvez dans les magouilles. Dans la fausseté. Dans la tricherie. Dans la fraude. Ça n'est pas l'intégrité. L'intégrité, c'est être droit. Pas de poids, de mesure. Être juste. Toi, ta justice. Lorsqu'on te donne l'argent, tu vas innocenter le coupable. Ça, ce n'est pas la justice. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Dieu n'élève pas les hommes qui ne sont pas intègres. Si tu veux être élevé par Dieu, développe l'intégrité. Sois honnête. Tu as vu quelqu'un qui a fait tomber son argent. Mais dis pas Charles, monsieur, va être saucé. Par l'argent, dis monsieur, tu as fait tomber l'argent. Ça, c'est l'honnêteté. Mais quand tu vas dire au Dieu, ma vérité. Le contact. Je savais que je n'avais pas dit la main. Mais c'est la vérité. Tu falsifies les choses. Tu dis Dieu bénit ce projet. Falsifier. Dieu n'est pas dans la fausseté. Dieu est dans la vérité. Dieu est dans la lumière. Dieu est dans la droiture. Dieu est dans l'équité. Ça, c'est le caractère de Dieu. Abraham avait perdu. Dieu lui dit, je suis Dieu tout puissant. Tu n'as pas besoin de tricher avec Agar.
On n'aide pas Dieu. Il se suffit à lui-même. Il est le tout puissant, le tout suffisant. Il n'a pas besoin de ton aide. Et les gens disent, non, ça traîne trop. Ah, pasteur, j'ai trop attendu le mariage. Tika to fataka. Tika to fataka. Quoi ça, tika to fataka? Pasteur, vous venez de tika to fataka. Est-ce que toi, tu peux manger une nourriture sans compter avant? Pasteur, yo, vous êtes bien, on est bien, on est bien. Bon, bien, le chef de l'église triche avant le mariage. Mais il est bien, il n'y a pas de mal à la zone de la boue. Je veux vous dire pour savoir si c'est bon. Ce n'est pas la vérité. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ce n'est pas la vérité. Mon frère, ma soeur, si le frère commence comme ça, table comme ça, nom de Jésus. S'il continue, tu appelles le pasteur. C'est un serpent, un faux frère. Dieu m'a parlé. J'ai senti. Ce que tu sens de moi, les sentiments. Ce que tu sens de moi, j'ai senti. Que comme ça. C'est pour cela aujourd'hui que Dieu nous donne encore la vérité des filles vierges. Nous avons appelé sa mission d'église, il n'y a pas si à conséquent. On va y aller dans l'humanité, il y a quoi comme là. On a l'impression que ça devient une caméra. Et comme le monde a pas de bon monde, ça va s'en avoir tout ça. Mais aussi les hommes vierges. Il n'y a pas de peur de passer à l'école. Pas de cadre. Dieu a ton ami intact. Mon bimba. Dieu ton ami intact. Dieu dit ça, mon bimba. Amen. L'état de quelque chose qui ne m'a subi de diminution. Et dans l'intégrité, on n'enlève rien. On va donner l'argent dans les mains de quelqu'un en cours de route. Tu enlèves. On a dégrené. Et Dieu peut ajouter. Voilà, il a agi pas fils. Ah, frère. Allons, je suis plus bien. Amen. L'état de quelque chose qui est conservé sans perdre ses qualités. L'intégrité, c'est tout ce qui est juste. Amen. Amen. C'est la base de l'élévation. Qu'est-ce qui rassure Dieu? Ni les hommes qui que quand tu seras au sommet, tu ne seras fidèle à ta femme. C'est l'intégrité. Ils ont dit aussi que l'intégrité. Nous autres, nous voyageons dans le monde entier. Nous rentrons dans les hôtels comme pas possible. Nous avons toutes sortes de femmes. Nous avons la base à donner que Dieu sauve. Vous ne verrez jamais dans les histoires. Pourquoi? L'intégrité. Avec ou sans ma femme, je suis intègre. Je crains Dieu. Joseph a dit, je ne peux pas toucher la femme de Potiphar. Je fais un grand mal à mon chef. Je pécherai contre Dieu. Et lorsqu'on a la crainte de Dieu, on est intègre.
Que les gens qui craignent Dieu à l'église. Il suffit de sortir ici. Il va descendre à l'église. Toi, un frère, tu as déjà 4 chéris à l'église. Et toi, un homme comme ça, la chérie va en toilette, toi aussi la tête est tout noire. Comme ça, l'intégrité. L'intégrité. Cinq vérités attachées à l'intégrité. Solo, l'intégrité est la fondation de la vie chrétienne. C'est la fondation de la vie de la foi. La foi doit avoir des œuvres d'intégrité. D'ailleurs, on dit que le juste vivra par la foi. Ce juste la société qui est intègre. Et c'est l'âge de l'intégrité. Elle bâtit notre foi. Elle se tombe à côté. Elle va solidifier. Il faut comme ça pour ma casse. Elle ne doit pas avoir de fissures. Et que ça n'a pas c'est la terre parce que ça passe pas. Deuxième vérité. Seul animal. L'intégrité. L'intégrité. Fera de vous des personnes moralement correctes. Et pour ça, les choses à la bateau, le maillet, et tout mon moto, et ça m'a l'âme. La moralité. Mon moto. Troisièmement, la mise à nous. L'intégrité. L'intégrité est basée sur des décisions. Et fatigue dans ma décision. Et des valeurs éternelles. Mais au lame où il y a libéré. Basée sur les décisions. Et fatigue dans ma décision. Et des valeurs éternelles. Mais au lame où il y a libéré. Quatrièmement, y a libéré. L'intégrité. Votre intégrité. Reconnaît. Et corrige ses erreurs. Mais ça va même à la mort. Une personne intègre. Pour toi, ça simple. Ne se justifie pas. Et à l'écoute de la tête. Il n'a pas fait. Il se répand. Il y a des gens. Pour se répandre, il faut l'attraper. Tant que je ne l'ai pas attrapé. Moi, jamais. Les fils de Dieu. En tout cas, la semaine, c'est un exemple. L'intégrité. L'intégrité. Doit être pratiquée en secret. Et c'est que ça, maman Koukou. Elle sera reconnue en public. C'est pour ça que tout ceux qui trichent en secret, personne ne le voit. Comme la femme prostituée. Elle a mangé le café sur la bouche. Personne ne l'a vu. Dieu l'exposera. Quand vous voyez des hommes de Dieu exposés comme ça, à Bibibo, très souvent, ils n'ont pas été intègres. Je les ai avertis. Ils n'ont pas écouté. Ils ne sont pas répandus. Dieu te expose. Et je prie que tous les serviteurs de cette église qui jouent tous les jeux, à partir de ce soir, les projecteurs de Dieu sont sur toi. Dieu va t'exploser. Ça va te pénis à l'eau. Toi qui viens ici, au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu, tu es dans la sorcellerie. Tu attaques l'œuvre. Faut que l'œuvre de Dieu soit bloquée. Dieu va t'exploser. Dieu va t'exploser. Dieu va t'exploser. Dieu va t'exploser. Que Dieu révèle la race de cette terre. Des hommes intègres. Comme notre ancêtre, voilà. Chacun prévient nous disait, parce que la vie sauve pendant la tout le temps il était marié, il n'a jamais touché une autre femme. Il y a pas mal à ce que Dieu nous donne des gens comme ça, dans cette génération, où on a l'impression, si l'on serait marié, ça a raison de dire la norme. Et quand il dit nous ensemble, dit tu es intégriste. C'est la marque déposée de Dieu. C'est le sceau du caractère de Christ dans la vie des croyants. Et le père de la foi, l'éternel Père, Dieu le dit, sois intègre et marche devant ma face. Je suis prêt, à être élevé, mais il manque l'intégrité à moi. Corrige. Et je vais te lever.
C'est le Dieu. C'est Dieu. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui se servent de Dieu. Non, se servent de Dieu. Ne le servent pas Dieu. Se servir de Dieu, c'est quoi? Chercher des opportunités pour être connu, pour avoir beaucoup d'argent, pour faire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le cœur de Dieu. Ça, c'est pas bon. Cherche pas à se servir de Dieu. Jésus dit ceci. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le service d'aujourd'hui. L'honneur, c'est pour demain. Le coup, on est pour l'homme. Qui est pour le merci? Demain, tu peux le dire. L'homme, il s'en va contre pour la main. Alléluia. Amen. Nous sommes pas dans une course. Vous êtes dans mon propre tabac. Beaucoup de gens aussi pensent que pour que tu t'élèves, il faut qu'ils rabaissent les autres. Pour ça, pas toi, pour le secret qui t'a tout ce jour. C'est pour ça que tu figures les autres. Tu es le pasteur. C'est un occultiste. Il a touché les médicaments. Il a touché. C'est bêtise. Tu n'as pas vu? Quand il danse, il avait la main à gauche. C'est bizarre. Si, il y a un diable. Frère, ce n'est pas en cassant l'autre. Oh mon Jésus. Alors, je prie parce que je sens qu'il faut que je prie.
Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Est-ce que tout le monde s'en prend comme ça? Ésaïe 52, 13 à 15. Lisons, je compte jusqu'à 3, nous allons lire. 1, 2, 3. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. De même, il a été pour plusieurs un sujet de foi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du fils de l'homme. De même, il sera beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, le roi fermera la bouche et ils verront ce qu'il avait prêté à compter. Ils entendront ce qu'il avait prêté entendu. Amen. Amen. Trois choses ici. Ah, bien, on dit ça, le Seigneur. Dieu dit, voici. Ça m'a dit, t'as là. Mon serviteur. Mon serviteur. Pas celui qui se sert. Oh là, ça m'a dit, ça les laïcs. Pas celui qui sert maman. Oh là, ça sert la maman. Mais celui qui sert Dieu. Oh là, ça sert la maman. En esprit. Et en vérité. Dieu lui donne des promesses. Il dit, mon serviteur. Comme David. Le roi David. Comme Abraham. Le roi Abraham. Comme Samuel. Le roi Samuel. Un lui prospérera. Je suis venu dire à quelqu'un. La prospérité est devant ta porte. La bénédiction est devant ta porte. Le chalon de Dieu est devant ta porte. La Bible vous servira l'éternel votre Dieu. Et l'éternel votre Dieu bénira votre pain. Et vos jours. Il ne donnera la maladie. Ça c'est la prospérité. Tu prospères à tous égards. Tu prospères l'état de ton âme. Bien aimé. Lorsque notre nom devient grand, ce n'est pas d'abord avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ont tout le matériel mais ils ne dorment pas la nuit. Mais la bénédiction, la prospérité, c'est la paix du cœur. La paix du cœur, c'est la joie de Dieu, la joie de l'éternel et notre force. Je déclare que tu prospères. Pendant ce marathon de prière, tu commences à prospérer. Il n'y aura plus de blocage. Les choses vont avancer. Si tu es serviteur de Dieu, dis je reçois. Dis je reçois. La prospérité est à part. Dieu te donne la prospérité. Parce que tu es son serviteur. Laisse-moi te dire. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un geste abandonné. Et sa postérité, mendiant son père, tu ne seras pas un mendiant, parce que le seul Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, te bénira, il te donnera le pain. Donne-nous aujourd'hui, notre pain quotidien. C'est vrai, c'est difficile. Je ne suis que le piment.
Ça sont pas les mais il y a peu de primaires qui ont connu le succès. Il y a peu de primaires qui ont connu le succès. Ah, primaires, ok, sous cas les désaimés. Moi, la question est pour moi, qu'est-ce que tu attends pour servir Dieu? Tout dans mon micro, c'est un gros serveur. Oh,
Yako toko ba Yesusu. Les chèvres du Liban. Voilà qui s'était animé. Les chèvres dans la cime touche le ciel. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu m'a amené au sommet. Dieu m'a amené au sommet. Toi qui es dans les affaires, toi qui es au travail, tu auras une promotion. Tu auras une promotion. Tu auras une promotion. Parce que Dieu te voit au sommet. La fumée est une pauvre. Sanglait-il indigent? Et les personnes ne le de sa part. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous rendre grands? Ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux. Mais c'est pour que tu témoignes à nous au monde entier que lui est Dieu. Au-dessus de tout. Je rends de ton nom grand. Tout le pas ta grandeur, le monde connaisse ma grandeur. On va mettre la plainte dans la tri. On va mettre à plat l'idolâtrie. Tout le monde saura. Maintenant, ce n'est pas bien un seul Dieu. Ça va, ça va pour moi. Ton élévation, ce n'est pas pour ta fierté. Ça dépend de c'est pour ton orgueillier. Ça dépend de c'est pour faire connaître le nom de Dieu. Oui, ça dépend. Pour faire connaître le nom de Jésus. En réalité, une seule personne va être levée. Au ciel. Sur la terre et sous la terre, un seul nom. Je disais un seul nom. Un seul nom. Et lui, là, qui s'en va, dit un seul nom. Un seul nom. Pas le nom des pasteurs. Pas le nom des bishops. Pas le nom de nos églises. Mais le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Nous ne nous tranchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous tranchons. Et nous portons ce trésor. À Jésus la magnificence, à Jésus la gloire, au siècle des siècles, d'éternité en éternité, de génération en génération, il est Dieu, le chemin, la vérité et la vie, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, d'après mon rejeté, ce qui m'a dit, qui m'a donné la principale de l'ordre. Je t'en ai la vie, avant tout, pour
Oui.